danse du monde. Je regarde. Ah, c'est 71. Ah, la santé de l'ami 71. Alors, c'est quoi ce problème? À la santé de l'ami. À la santé de l'ami, oui. Venez pour qu'il le veuille, 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 qu'il le Il n'y a pas de
Thank you.
souciez pas de l'heure. Rendez-vous des pêcheurs. Merci. Allez, la faute à Voltaire. Ah oui. Tout le monde avec le nez dans le ruisseau. C'est la faute à Voltaire. Je suis pas l'hôtel. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Il est tombé à terre, c'est la faute à Voltaire. Je suis tombé sur terre, mais Dieu ne sait pas comment. Je n'ai ni père ni mère qui me reconnaissent comme enfant. Je me suis fait une famille avec ceux qui n'en ont pas. Joyeux de Riangueville avec un cœur grand comme ça. Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Il est né dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Joie et mon caractère. Je suis un vin du pied, mais nul le pied va quand même. Je prends ce qui me plaît pour payer pas de problème. Je fais les pieds de nez aux marchands et à leurs dames. Et pour me rattraper, il leur faut plus d'un gendarme. Eh oui. On me connaît partout, de Clignancourt à Belleville. Je suis aimé de tous, sauf des sergents de ville. Je ris de ce qui vient et de ce qui ne vient pas, sans savoir à l'avance le menu du prochain repas. Misère et mon trousseau, c'est la faute à Rousseau. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Rousseau. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Si tu n'es pas le père, c'est la faute à Voltaire. Tu es petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Tu es petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Che partiranno, mi diranno, oh quel bel fiore, che c'è il fiore, di partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 che c'è il fiore, di partigiano, porto per la libertà. Ça m'étonnait que ce soit pas un truc comme ça.
J'ai quand même lâché ma cavalière. Hein. Moi, j'ai lâché ma chaise. Allez, maintenant, Neuchâtel. Nous sommes à 10 km de Mâcon, à 20 km de Bourg-en-Bresse. On a eu le congrès de Amis National à Bâgel-le-Châtel le 26 et 27 octobre 2013. Le congrès. C'est pas de mais c'est une maison familiale. Et là, Bâgel-le-Châtel. Là, c'est le couloir. Là, c'est la salle de réunion. Nous sommes à la salle de réunion pour essayer de connaître le congrès. Les mots empruntent sont bien des ponts, en les gardant pour horizon, en les gardant que les rencontres, au nord, au fil des saisons. Allez! Oh, c'est historique, pour ça on connaît. Il faudra garder l'œil ouvert, l'oreille attentive et sincère. Je le sais, ne n'est pas les peuples. Tirez-vous votre imaginaire. Ce sera ma solidaire à l'autre côté. Laissez-vous, c'est derrière vous. Le temps de battre avec nous. Le temps de voir défiler les paysages. Voilà, partons le bateau. C'est le moment de s'accrocher pour le décollage. Là, nous allons dans le répertoire. Voici les membres d'amis. Voici le secrétaire de l'eau du Rhône, Gisèle Morena. Là, je vous présente le comité de Savoie. On va lui donner. Il faut venir nous servir, les chefs. Ah, il va falloir venir. Monsieur. Oui. Bon, je veux vous demander votre impression du congrès qu'il y a eu ce week-end à Bâgel-le-Châtel. Donc, je vous demande votre impression. Voilà. L'impression, moi, elles sont très bonnes. On a été invités, puis on a parlé de nous, beaucoup d'ailleurs. Ça, il paraît qu'on a fait du bon boulot au sein de Amis Savoie. Les gens que nous rencontrons sont sympathiques, parce que donc, c'est grâce à eux qu'on a une adhésion qui est importante, ce qui fait qu'on séduit. Nos amis, dans son congrès, nous sommes importants parce que nous avons fait un bon travail. Nous avons posé des questions, on a trouvé qu'eux aussi sont quand même d'une compétence de première, chose que nous ne connaissons pas, ils sont bien imprégnés, que ce soit localement ou sur un plan national. Donc, et on découvre simplement que le problème n'est pas aussi simple. Le droit, il est là, pour beaucoup de choses, dont l'handicapé, mais tout simplement, il n'est pas respecté. Alors donc, il y a un travail, on a un gros travail à faire, c'est ce qu'on a été déterminé dans nos discussions. Il va falloir se prendre en main et travailler encore. Mais sinon, sur l'ensemble, je suis très très satisfait. On est en petit rappel. Vous aviez pris conscience qu'il restait une chance en formant les maquis de faire vivre la France. En prenant un beau soir le chemin de nos bois, vous vouliez que nos cœurs un beau jour n'aient plus froid. Mais toute l'opinion, il vous fallut convaincre que votre idée avait un grand besoin de vaincre. C'est alors qu'en ces heures qui furent des plus noires revint dans le pays une lueur d'espoir. Collabo, vous pouviez tranquillement bien au chaud accepter l'occupant Pétain et ses journaux.
Pour vous, ce fut la lutte, puis vinrent les cachots, les affreuses tortures de l'hideuse Gestapo. Pourtant, dans la souffrance, peu d'entre vous parlèrent, avec le seul souci de protéger leurs frères. Et même déportés, vous composiez des chants qui aidaient à survivre dans ces atroces camps. Mais hélas, quelquefois, finissait le chemin. À l'aube, dans une clairière, on vous liait les mains. Avant que les rafales vous pénètrent en plein cœur, votre seul réconfort fut de nous voir vainqueurs. Et il arriva même que l'on vous assassine dans l'enceinte d'une prison à coups de guillotine. Dans l'un ou l'autre cas, ce fut avec courage, pour tous mes camarades, que vous tourniez la page. C'est avec grand respect aujourd'hui que je chante ces trop nombreuses morts qui furent si violentes. Comme l'on chantera encore loin dans le temps cet exemple que fut le temps des résistants. Vous aviez pris conscience qu'il restait une chance en formant les maquis de faire vivre la France. Et quand je vois courir librement les enfants, ma voix émue fredonne le chant des partisans. Un coin de France que passa mon enfance, en cette Côte d'Or, là où le vin a du corps, entre Auxois et Morvan. Je me souviens du temps où j'ai connu des heures d'un intense bonheur. C'était souvent la fête dans le bistrot d'Yvette. Les clients en goguette poussaient la chansonnette, et dans le petit bistrot valsaient les apéros. On ne se souciait pas de l'heure, rendez-vous des pêcheurs. J'allais me promener toute une matinée au milieu des ramées sur la pente d'un pré. Sans prévenir père et mère, j'allais à la rivière pour tendre mes bouteilles, l'œil toujours en éveil. J'attrapais les verrons avec une poignée de sang, et j'étais très ravi de ces jeux interdits. Et dans le petit bistrot valsaient les apéros. On ne se souciait pas de l'heure, rendez-vous des pêcheurs. À la table du fond, on parlait de chansons. T'as entendu Ferrat, c'est un bon celui-là. Oui, mais Tino, tu vois, a une plus jolie voix. On parlait d'élections, De Gaulle passera pas. Parle pas de malheur, ce fut notre sauveur. Oui, mais tu avoueras, le petit y connaît pas. Et dans le miroir des sports, manque-t-il Poulidor, Coppa et Halimi, Spanghero et Jazzy. Le maréchal Ferrand me disait gentiment, tout en raclant sa gorge, active un peu ma forge. Je suivais les chasseurs qui traquaient le sanglier, comme j'appréciais ces heures loin de mon encrier. Dans cette petite commune qui ne faisait pas la une, j'ai commencé d'aimer le mot de liberté. Et dans le petit bistrot valsaient les apéros. On ne se souciait pas de l'heure, rendez-vous des pêcheurs. Et dans le petit bistrot valsaient les apéros. On ne se souciait pas de l'heure, rendez-vous des pêcheurs.